Il semblerait que la princesse Charlène de Monaco ne soit pas la seule responsable de l'absence de vœux d'anniversaire de Nicole Coste à l'égard de son ex-compagnon, le prince Albert. En effet, cette dernière a choisi de ne pas adresser de message de félicitations à son ancien partenaire cette année. Contrairement à l'année précédente où elle avait publié un message extrêmement laudateur sur son compte Instagram. Toutefois, il demeure un mystère quant aux raisons pour lesquelles Nicole Coste s'est montrée si discrète cette année. Il est possible que la présence de Charlène de Monaco dans la vie du prince Albert ait joué un rôle prépondérant dans cette décision. Depuis l'arrivée de la princesse sud-africaine dans la vie du prince, Nicole Coste semble avoir adopté une position plus réservée. Dans une interview accordée au magazine américain People, le prince Albert a révélé les projets de sa famille pour célébrer son anniversaire. Il a exposé que lui et sa famille allaient simplement prendre un repas ensemble avant qu'il ne fût subitement arraché par ses enfants à des fins de surprise. Toutefois, la réelle stupéfaction résidait dans le fait que les enfants avaient comploté l'enlèvement de leur père pour l'amener de force à assister à une représentation théâtrale. Par conséquent, malgré l'absence de vœux d'anniversaire de la part de Nicole Coste en direction d'Albert cette année, le prince se sent plus que satisfait des attentions que sa famille lui a portées. Avec la présence réconfortante de Charlène de Monaco à ses côtés, il peut être assuré que chaque journée sera emplie d'affection et de béatitude.